y aller ou quoi? Mais oui, maintenant qu'on a la clé, on peut ouvrir la grande porte quand on veut. Explorons un peu. Je me disais que tu connaissais peut-être Brock et Sindri. Oh, les fameux frères Uldre. Qui ne les connaît pas? Ils sont célèbres par ici. Tristement célèbres, diraient certains. C'est eux qui ont fabriqué Mjolnir, vois-tu? Le marteau de Thor. L'arme la plus redoutable des dieux As, le fléau des géants. C'est eux qui ont fabriqué le marteau de Thor. Je pensais qu'ils aimaient pas les As. C'est le cas, mais c'était il y a fort longtemps, et ils avaient envie d'établir leur réputation à cette époque-là. Ils y sont allés un peu trop fort, si tu veux mon avis. La chaleur est indispensable dans ma branche. Elle aide même à plier l'espace. Ces portes magiques que vous aimez tant ici, elles mènent toutes les unes aux autres, parole de Brock. Allez-y, et essayez, vous verrez. Traverser Muspel est une vraie promenade de santé. C'est pas rôti. J'espère que tu ne disputes plus avec ton frère. Peut-être bien qu'il devient un peu moins pénible avec le temps qui passe. Mais j'en ai pas moins une clientèle à satisfaire, vois-tu? Ah oui? Qui ça? Bah, c'est pas la première fois que tu viens, si? Bien vu. Chaud ici. Mais est-ce que c'est de la neige? Des cendres, comme seuls en produisent les grands feux. Eh bien, c'est censé être le plus grand de tous les feux, non? Muspelheim, l'ancien royaume de flammes. Ta mère t'en a-t-elle parlé? Juste un peu. En fait, il n'y a pas beaucoup d'histoires qui se déroulent dans les flammes. Sauf entre les géants de feu, j'imagine. Mais ils sont pas très bavards. Et on n'en a pas vu depuis une éternité. Je me demande ce qu'est le gantelet de Surtr. Comment? C'est ce que les runes disaient qu'on trouverait ici. On cherchera. Celui-ci s'appelle Surtr. Ça doit être un géant de feu. Oui, le tout premier même. Il fabrique une épée enflammée.
Une arme de légende. Il se bat contre Thor et Odin. Mais est-ce que c'est le passé ou le futur ? Disons que c'est une histoire de perspective. Écoutez, j'entends une voix. Encore un elfe ? Je crois pas. Ça vient de là-haut. La voix, elle est juste derrière ça. Oh, c'est une grande épée. Elle demande si on veut s'entraîner. La porte est fermée. Prépare-toi, Atreus. Oui, père. Vous n'aimeriez pas qu'on trouve de l'encens, juste une fois. On se lasse vite de l'odeur du soufre. Au défi. Il est plus difficile. Tiens-toi prêt. Toujours. D'autres drogues ?
Notre porte s'est ouverte. Donc, personne ne vit ici, c'est ça? Seul un géant de feu pourrait vivre ici. Et selon la prophétie, nous n'en verrons aucun avant le Ragnarok. Une autre épée. C'est sans doute le défi suivant. Voilà. Je suis prêt. Yeah.
Ça commence. Allons-y. Ah!
pas d'avaler des cendres. Imagine-toi les aspirer par ta gorge tranchée. Je peux pas. De lave. Une chute de lave. Oui, et ce n'est pas du tout terrifiant, pas vrai? Encore une épée. Je me demande combien il y en a. Oh, il y en a 6. C'est la voix qui l'a dit. Force!
Fais ce que je te dis. J'attends tes ordres. Roger, à droite!
Derrière toi, ouais.
mes mains transpirent tellement que j'ai du mal à tenir l'arc. Moi, mon nez me gratte. J'ai trouvé l'épée suivante. Tu parlais aux petits, bien sûr. C'est pas les drogueurs qui montent par ici. Ah!
ma gauche. Yeah.
Attention!
est fermé. Prépare-toi, Atreus. Oui, père. Difficile.
n'y ai pas le bras. Ma gorge brûle. Ça ne serait pas un défi sans un minimum de difficulté, non? Voilà une épée! Est-ce que c'est la cinquième? Tiens-toi prêt. Toujours. Est-ce que c'est la cinquième ? Tiens-toi prêt. Toujours. Yeah!
sur ta droite, frère. Je suis pas vrai. C'est incroyable. J'aurais aimé avoir une meilleure vue.
Les voilà. Je suis prêt. Revenir avec d'autres armes et équipements. Ce n'est pas faux. On recommence. Matériel. Encore une fois. C'est parti. Regarde!
meilleur à ça. Plus tard. Une minute. Mimir, t'as appelé Brock et Sindri les frères Uldre? Oui. Mais ce sont des nains, pas vrai? Oui. Et les Uldre sont des esprits des bois? Oui, de ravissants esprits des bois enchanteurs. Alors pourquoi appeler Brock et Sindri les frères Uldre? Ah, je viens de me rendre compte que ce n'était pas une histoire faite pour de jeunes oreilles innocentes. Ouais. Wow. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour vous? Rien. C'est bien que vous ayez réglé le problème. Ah. Eh bien, je pourrais t'en dire autant. Ah! Oui, je crois que j'avais un peu perdu pied. Tu lui as dit ce qu'il devait entendre, si tu veux mon avis. C'est pareil. Je suis désolée de t'avoir parlé comme ça, Sindri. Tu me pardonnes? C'est déjà fait. Tu l'as dit, le problème est réglé. Maintenant, au travail, pour que je devienne... sentimental. Je m'occupe de ça. Thank you.
envie particulière? Encore toi. On se reverra dans les parages.
fut ouvert. Désolé d'avoir perdu mon temps. Frigg, c'est une sorte de nom doux, si tu veux. Ça veut dire bien-aimé. C'est comme ça qu'Odin appelait Freya après leur mariage. J'aime à croire que c'était affectueux au début, mais quand les choses se sont envenimées, c'est devenu un moyen de manipuler la vérité. Comment ça ? Odin refusait d'admettre qu'une déesse Van puisse faire quoi que ce soit pour Asgard. Alors, tout ce que faisait Freya, l'attribuait à Frigg. Comme de mes vies à Baldur. Et oui, Freya a toujours été la mère de Baldur. Arrive à tous les deux. Allez, du balai! Maintenant, on n'a plus qu'à trouver à quelle porte correspond cette clé. Elle doit être quelque part autour du temple. La rune de Tyr, c'est ça. On est entrés ! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je n'en sais pas plus que toi, petit frère. De passage entre les royaumes. Mais pourquoi le sol est au plafond ? Ces portes de royaume semblent refléter celles du dessus. Là-haut, Tyr a utilisé la même magie pour protéger la rune noire. L'indice qu'on cherche est peut-être à l'intérieur. Ah, juste à côté de la porte vers Jotunheim. Intéressant. Mais est-ce qu'on peut l'atteindre ? Pas d'ici. Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Eh bien, chaque sanctuaire en renferme un autre. Ces tapisseries, c'est encore l'œuvre des géants. J'ignore ce que Tyr a fait pour eux, mais ça devait être important. Atreus, c'est bien la rune pour Jotunheim ? Oui, et regarde, on est de l'autre côté de la porte. La porte est à l'envers. À quoi tu penses ? Recule. D'accord. Qu'est-ce qui bouge ? Extraordinaire. La salle tout entière est construite sur une sorte d'axe. Il y a des chaînes de chaque côté. Sans elles... On peut retourner le temple. Génial ! Faire quoi ? Atreus, sur les statues. Je les vois. Ça dit vide. Plutôt sinistre. Vas-y, lis. Avant le premier et après le dernier, rien entre et aucune ombre projetée. Aoth. Tu es sûr que retourner le temple est le seul moyen d'atteindre... C'est quoi ? Tu as dit qu'il y aurait un chemin et le temple peut être retourné. Donc, on va retourner le temple. Ta logique est imparable. Je ne sais pas trop ce qui se passe quand on retourne sauvagement une salle reliée à 8 autres royaumes. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut de l'imagination pour penser que ça va nous conduire à Jotunheim. J'ai plein d'imagination. Eh bien, qui sait ? Peut-être que Tyr et toi êtes atteints de la même folie. Regarde là, un autre. Son nom était Bergelmir. Maman m'a dit que c'était un roi parmi les géants, il me semble. Oui, c'était le cas. Et il était plus encore. On dirait qu'il avait beaucoup d'enfants. Ça, petit, c'est ce qu'on appelle un euphémisme. Il est mort, mais personne ne l'a tué. Est-ce que les géants meurent de vieillesse ? Ça arrive, mais c'est plutôt rare d'après les légendes. Encore ces pièges mortels. Oh.
Atreus, avec moi. Ah, c'est l'autre genre de piège. Il faut savoir varier le plaisir. Et te laisser rater ça? Non. Ça t'a vu, n'est-ce pas? Thank you.
toi de jouer, mon frère. En attendant que les dieux soient bons. On peut attendre longtemps. Non. C'est nous qui attendons.
Je déteste cette partie. Je sais. Regarde ça. Qu'on soit si près du but! Personnellement, je n'ai jamais douté. Ouais. Maintenant, on peut décoder les runes de Niflheim. Il y a même la rune de passage. On y va? Laissez-les en paix. De toute évidence, ça... ça ne s'adresse pas à nous, ça.
Atreus. C'est le moment de retourner le temple. Oui. Pourrait-on arrêter d'employer l'expression « retourner le temple » ? Ça devient un peu trop normal. Je ne pense pas qu'elle puisse revenir à la vie, si c'est ce qui t'inquiète. Tyr disait souvent que dans le monde de paix qu'il imaginait, les seuls soldats dont il aurait besoin seraient des statues. Une belle pensée, mais il se prenait un peu trop au sérieux, non ? Jamais ça ne marchait pas, souvenez-vous. Tyr a créé ces obstacles pour une bonne raison. Il a su empêcher Odin d'atteindre Jotunheim, mais la paix est loin de régner. Non, mais il y a de l'espoir. On travaille tous ensemble maintenant. On est unis. C'est ça que signifiait la rune sur la porte qui menait ici. On suit la voie de Tyr. Avec tes jambes, frère. Qui sait ? Essayez de me guider. Le jour où cette force brute sera la solution, je serais content d'être de ton côté, mon frère, et nous ne sommes pas morts. Que demander de plus ? Là, à gauche ! Je pense qu'on peut monter à l'envers pour... Tu vois, Mimir ? Personne pourrait faire ça tout seul. Tous ces obstacles, ils nous permettent de prouver qu'on est les seuls à pouvoir les battre. On a beau se disputer, mon père et moi, toi et Freya, Brock et Sindri. Quand on unit nos efforts, on forme une bonne équipe. C'est ça le test de Tyr ! Et c'est pour ça qu'on va réussir à atteindre Jotunheim. Tu entends ça, mon frère ? Le garçon a trouvé son équilibre. C'est quoi, ça ? Il veut dire que tu parles avec sagesse, Atreus. Et ça fait plaisir à entendre. Ha ! Et alors le temple a été conçu pour être renversé ? Regardez ! L'arbre est à l'envers. Ou... c'est nous ? Je sais plus trop. Atreus, ton couteau. Alors, qu'avons-nous là ? Une sorte de pierre de transport. Fais-moi voir. Par les pieds d'Odum, là, c'est la pierre d'unité. Tu sais ce que c'est ? Je n'étais pas sûr qu'elle existe. Si Tyr l'avait en sa possession, ça expliquerait comment il a pu se rendre dans tous les royaumes, et même au-delà.
Il tenait ceci. Sur le panneau dans la bibliothèque d'Odin. Oui. Oui, ça y est, je comprends maintenant. Ça montre Tyr parcourant le monde entre les royaumes. On dit toujours qu'il ne faut pas s'écarter du droit chemin, mais Tyr, lui, suivait son propre chemin, si tu vois ce que je veux dire. Le monde entre les royaumes. Alors tu penses que la fresque de Tyr le montrait sautant d'une branche de l'arbre monde et que, pour atteindre l'accès secret à Jotunheim, nous devons en faire autant? C'est ça. Bonté divine. Tu le penses vraiment, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Allez, du balai! On part sur quoi? Bouge pas d'ici. Si tu comptes nous précipiter dans le vide, j'espère que tu sais ce que tu fais. C'était pas ton idée? De trouver notre propre voie. Et merde. C'est là que Tyr a franchi le pas et que la pierre d'unité l'a protégé. Prêt? Prêt. Eh bien, nous y voilà, mes amis. Ce fut un honneur. Aie confiance, Ted. La nausée alors que je n'ai pas l'estomac. Tu rigoles, c'était génial! Regarde! La tour! Je savais bien qu'il y avait quelque chose ici! Incroyable! Comment cache-t-on une chose qui existe dans tous les royaumes? En la déplaçant dans le monde qui sépare les royaumes? Tyr était malin. Est-ce que Jotunheim est de l'autre côté? Ça ne peut pas être ça! On ne peut pas passer par Vanaheim pour atteindre le pic de Midgard. Alors comment on l'utilise? Je suggère de regarder à l'intérieur, mais restez prudent. Les défis de Tyr ne sont jamais aussi simples qu'il y paraît. J'avais remarqué. C'est très... dépouillé. Le piédestal. Faire. La pierre a rempli son rôle. On réalise le sort de Tyr. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aucune idée. Mais après cette chute, le pire doit être derrière nous. Je retire ce que je viens de dire. Oh!
Où est-ce qu'on est? Oh, ça ressemble à Alfheim. Revenu à elle? Oh non, ils arrivent. C'est fini. Mais Spellheim, ça s'annonce mal.
D'accord. Oh, mais où sommes-nous ? Le passage de tir peut maintenant nous mener à Jotunheim. Comment Tyr a fait ça? Odin soupçonnait les géants de posséder des restes de l'essence primordiale des Jotnar. C'est la source de la création de tous les royaumes. La pierre d'unité a dû être façonnée à partir de cette essence. Pour qu'il la confie à un étranger, même à Tyr, il fallait vraiment qu'il soit désespéré. Et regarde, on peut enfin allumer tous les brasiers et voir ce qui arrive. Encore un nom. Gondul. Une autre Valkyrie. Ce n'est pas un hasard. Mais qui a pu les inscrire sur les brasiers de Tyr? Vous aimez bien mettre la pagaille, hein, vous deux? C'est bon, entrez. Tant pis pour la tranquillité. Allez, au travail. Je force la main à personne. J'ignore ce qu'on trouvera en arrivant à Jotunheim, mais nous devons couvrir nos traces. Les corbeaux d'Odin lui rapporteront que la tour est restaurée. Il ne faut pas qu'il en tire parti. Très bien. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Il n'y a pas de cristal de passage. Tyr a dû se servir de ses yeux pour réfracter l'énergie. C'était sa dernière protection. Les mêmes yeux que lui, Mimir. J'ai un œil. Un seul. Odin m'a pris l'autre précisément pour m'empêcher de voyager. Désolé, les amis. Je pensais que ça marcherait. Qu'est-ce qu'Odin a fait de ton autre œil? Il peut l'avoir gardé dans une centaine d'endroits. J'en ai peur. Après tout ce chemin, ça peut pas s'arrêter là. Écoutez, je n'y crois pas trop, mais des années durant, j'ai vu Sindri, et parfois Brock, rôder dans cette montagne pendant les visites d'Odin. Ils savent peut-être quelque chose. Brock et Sindri!
idée. Dites, une petite question. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve l'autre œil de Mimir? Oh. Je suis navré. Il se trouve qu'Odin m'a demandé de... Et il voulait que je lui fabrique... Enfin, il me l'a montré et moi j'ai... J'ai décliné. Pardon. Vous... M'excusez un instant. On n'est pas plus avancé. Vous savez, Odin est venu me voir à peu près en même temps. Il cherchait quelqu'un pour construire une statue avec un genre de compartiment secret. Comme c'était pas une arme et que les As sont une bande de sacs à purins, j'ai préféré décliner, moi aussi. Mais je sais qu'il a trouvé quelqu'un pour faire le boulot. C'était quelle statue ? La statue de Thor, celle qui montre ses baloches au lac. Celle que le serpent a avalée. Veuillez m'excuser. Je me sens beaucoup mieux. Comment on peut chercher à l'intérieur du serpent ? À l'intérieur du... Oh non ! Nous ferions mieux d'aller demander au serpent monde ce qu'il en pense. Eh bien, mes amis, j'ignore ce qui nous attend, mais si j'étais vous, je m'assurerais que mon équipement peut résister au pire. Si vous avez quelque chose à faire, c'est le moment. C'est juste un petit conseil. Vous y allez ou quoi ? Ah, Niflheim. On ne peut pas dire que ce soit une destination très populaire, mais nous y voilà. Oh, quelle odeur ! Qu'est-ce que c'est que ça ? La brume est maudite. Maudite ? Il a raison. Il n'y a pas de danger pour l'instant, mais elle nous tuera si on s'y attarde. Une raison de plus d'aimer Niflheim. Voyons voir. Ça m'étonne de te voir ici, Sindri. Cette brume est répugnante. Tu crois qu'une petite brume maudite va m'arrêter ? Oui ?
Tu as raison. J'essaie de fabriquer une armure qui atténue ses effets. Les matériaux dont j'ai besoin sont tous ici, dans l'atelier d'Ivaldi. Mais ils sont couverts de cette immondice, bien sûr. Attends. Autant que je sache, cette armure se trouve actuellement dans la salle centrale de l'atelier. L'entrée est scellée, mais je peux vous faire une pierre de passage avec assez d'écho de brume. Voilà. Alors, évitez de passer trop de temps dans la brume. Cette puanteur risque de s'incruster dans vos cheveux, vos armures, et je refuse de toucher votre matériel tant que vous n'aurez pas brûlé toute cette vermine dans les feux de Muspelheim. Et puis, ça vous tuerait. Inutile de chercher un prétexte pour me dire bonjour. Il y a quelque chose d'écrit. Cet endroit se renouvelle à chaque fois qu'on part. C'est incroyable! Atreus, concentre-toi. Cet endroit est dangereux. Bel exemple de la créativité des nains. Impressionnante et dangereuse.
avez assez d'écho et vous n'êtes pas mort. Très impressionnant. Sindri, comment c'est possible de forger la brume? Aussi étrange que cela puisse paraître, les nains qui vivaient ici faisaient des merveilles avec les brumes de Niflheim. Continuez à guetter les échos de brume. Ils peuvent me servir à un tas de choses. Voyons, quoi d'autre? Oh, parfait. Parlons affaires. Parfois, le meilleur achat est celui... qu'on ne fait pas. Je vois qu'il n'y a rien. À votre goût, je suis d'humeur créative.
Je ne veux forcer personne à acheter. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Allez, du balai! Eh bien, résumons ce que nous savons. Baldur est sans conteste le meilleur traqueur d'Odin. S'il vous cherche, il faut envisager la possibilité qu'Odin lui-même vous cherche. Et pour ce qui est de déchiffrer les intentions d'Odin, j'ai de la pratique. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir qu'Odin n'a pas? C'est le roi des dieux. Des as, oui, mais son pouvoir a des limites. Et ce qui est hors de sa portée, il cherche constamment à l'atteindre. Crois-moi, il a passé des années à me torturer pour ça. À tous les deux. Allez! Du balai! Non. La tour a avalé la pierre d'unité, pas vrai? Je rêvais de voler à nouveau. Oui, c'est vraiment dommage. Alors, si Odin cherche à étendre son pouvoir, tu penses qu'il veut aller à Jotunheim aussi? Oui, ça fait partie de ses plus grandes obsessions. Mais ça tient pas debout, Mimir. Hein? À partir de quel moment n'ai-je plus été clair? Tu disais
disait que Baldur nous cherchait pour trouver un moyen de se rendre à Jotunheim. Mais on savait pas encore que c'était là où on devait aller. C'est absurde. Mais tu oublies une chose, c'est bien à Jotunheim que vous allez. Donc il avait raison. J'y comprends rien. Eh bien, ça veut dire que tu as bien écouté. Agir. Agir. Réagir. Je suis avec toi. Ah 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 ah
toi.